c'est impressionnant vraiment la salle. Hein. Je suis pas venu depuis un an dans cette salle. Et c'est toujours aussi impressionnant. Hein. Donc si je bafouille, excusez-moi, parce que j'ai pas l'habitude de parler devant 2000 personnes. Déjà, je voudrais vous souhaiter tous une super année pour 2014. Quoi qu'il en soit, ce sera mieux que 2013. On va faire en sorte avec tout le staff d'Air France d'avoir en fait la plus grosse progression. Et je pense que avec le travail qu'on a effectué, je pense que on devrait vous applaudir vous tous. Donc si vous pouvez vous applaudir. Alors donc je m'appelle Billy Lassimon, j'ai 31 ans et j'habite du côté de Torcy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Euro Disney. Vous savez, Mickey. Voilà, donc j'ai habité plus de 20 ans là-bas. Et à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté les études. Donc j'ai pas eu le bac, malheureusement. Je l'ai retenté. Et finalement, je m'intéressais beaucoup plus à jouer à mon ordinateur. Donc je l'ai reloupé. Et ensuite, j'ai commencé à bosser dans la restauration. Donc ma mère m'a dit, il faut que tu aies un CDI. Donc j'ai pris un CDI du côté de Mövenpick. Et bon, depuis que je faisais de la restauration, ben, je voyais quelque chose qui clochait dans la vie. Donc je voyais que j'allais nulle part. Donc je cherchais quelque chose. Et il y a 8 ans en arrière, j'ai un bon ami à moi, qui s'appelle Seb, qui m'a invité à la maison. Et ce jour-là, en fait, j'ai rencontré la vente directe. Mais malheureusement, j'avais choisi des mauvaises sociétés, et on m'a baladé pendant plusieurs années. Et finalement, il y a 2 ans en arrière, j'ai croisé donc mon parrain actuel, qui s'appelle Alexander Belâtre, qui lui a fait plus de 8000 km. Vous imaginez, des fois, on n'arrive pas à déplacer personne pour 15 km, lui, il en a fait 8000. Et m'a dit, là regarde, cette compagnie elle est géniale. Et LR, on l'avait déjà présenté 10 fois, donc des fois il faut être persévérant. Et là j'ai choisi de le rejoindre. Et en l'espace de 1 mois, alors qu'on connaissait rien du tout, avec 7 personnes, on a aidé sur le terrain. On a fait junior manager le premier mois. Le deuxième mois avec 12 personnes, on a fait le junior leader de team. Et ensuite on a atteint donc la première qualif de Hello en 6 mois. Au bout d'un an, on a été décoré ici sur scène. Et ben là, ça fait 2 ans, donc je suis bronze. Ouais, ça fait bizarre de le dire, mais on a traversé comme ça. Merci. Et ça, c'est le travail vraiment d'une équipe, parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait de particulier. Donc on m'a dit de parler à des gens, j'ai fait des ventes, j'ai parlé à des gens pour qu'ils rejoignent l'activité, et j'ai continué comme ça, pas à pas. Et ce que ça a pu m'apporter en l'espace de 2 ans, c'est phénoménal. Parce qu'à l'époque, bon, la plupart des gens de mon équipe ne le savent pas, mais j'étais en interdit bancaire. Donc j'ai honte de vous le dire, mais j'étais interdit bancaire. Bon, j'avais pas d'argent. Chez moi, j'avais pas d'internet. Donc ça, les leaders ne le savent pas non plus, j'avais pas d'internet quand j'ai commencé. Et pourtant, ma famille, bah, ils se moquaient de moi parce que c'était la cosmétique, je connaissais rien. Mes meilleurs amis, c'est pareil, ils se sont moqués de moi. J'ai persévéré. Et aujourd'hui, j'ai même mon père qui est là. Et je suis vraiment fier. Je ne l'ai jamais dit, mais je t'aime, papa. Alors, je vais dire un maximum de personnes dans mon équipe à le réaliser. Et si j'ai pu le faire, je pense que vous pouvez tous le faire. Un grand bravo à vous. Merci.